Hello les amis et heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'univers impressionnant de l'IA. Aujourd'hui, nous allons voir comment transcrire une vidéo en texte gratuitement à l'aide de l'IA. En effet, la transcription à l'aide d'un outil intelligent est actuellement possible. Pour vous montrer la marche à suivre, nous allons, comme toujours, procéder étape par étape. En premier lieu, je vais vous présenter Google AI Studio, une IA multitâche qui nous servira d'outil principal. Puis, nous allons voir, avec un exemple, comment le prendre en main et transcrire une vidéo. Enfin, je vais vous apporter quelques conseils utiles pour optimiser votre transcription vidéo avec Google AI Studio. Vous êtes prêts? Let's go! De base, Google AI Studio est une plateforme, comme son nom l'indique, qui a été développée par Google. Elle propose des outils et des services en permettant de simplifier le processus de développement d'applications et offre la possibilité de faire des transcriptions. Pour s'y rendre, vous n'aurez qu'à taper estudio.google.com et bien sûr, je vous ai mis le lien en description. Vous pouvez naturellement vous connecter à Google AI Studio seulement à l'aide de votre compte Google. À première vue, l'interface d'utilisation de Google AI Studio semble assez complexe, mais rassurez-vous, nous nous concentrerons uniquement sur ce qui nous sera utile pour effectuer notre transcription vidéo. La transcription vidéo ne vous demandera pas grand-chose. Pour cela, vous devrez d'abord vous rendre sur la plateforme. Depuis son interface, vous pourrez voir diverses options, dont le bouton de lancement d'une conversation, le titrage de la conversation, la case de formulation de prompt ou encore le modèle de langage utilisé. D'ailleurs, à ce sujet, sachez que vous pouvez utiliser Gemini 1.5 Flash, qui est le modèle le plus performant à ce jour de manière totalement gratuite. Par contre, cela ne vous empêche pas d'essayer d'autres modèles disponibles sur l'outil. Vous y retrouverez également le nombre de tokens disponibles pour une tâche ou encore l'option température qui vous permet de régler le niveau de créativité de l'IA. Par contre, dans notre cas, on n'aura pas à paramétrer cette dernière option ni d'ailleurs celles qui n'ont pas été citées. Sinon, à ce stade, passons à l'importation de la vidéo à transcrire. Pour cela, vous pouvez soit télécharger la vidéo à transcrire pour ensuite faire un glisser-déposer, soit via votre Drive que vous pourrez synchroniser avec l'outil. Pour le fun, j'ai téléchargé et importé un extrait du film Obélix et Astérix Mission Cléopâtre pour illustrer notre exemple. Une fois la vidéo importée, rédigez votre prompt. Pour mon cas, j'ai formulé une demande assez basique qui est la suivante. Je voudrais que tu me transcrives cette vidéo. Il ne reste plus qu'à cliquer sur « Run » pour lancer la génération. La transcription d'une vidéo d'une minute, comme celle que je viens de faire, ne prend que quelques secondes sur Google AI Studio. Notez aussi qu'avec le modèle Gemini 1.5 Flash ou encore le modèle Gemini 1.5 Pro, vous bénéficierez de millions de tokens, ce qui représente des heures de vidéo à transcrire d'un coup. Alors, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai formulé un prompt assez basique juste pour vous montrer comment faire une transcription avec Google AI Studio. Mais sachez qu'il est possible de saisir un prompt détaillé d'un coup ou même de les enchaîner pour obtenir le résultat attendu. Dans cet exemple, j'ai par exemple demandé à ce que l'outil refasse la transcription en y mettant les horodatages, qui sont des éléments plutôt importants pour ce genre de tâche. Sans surprise, l'IA de Google refait le travail en un bref instant. Suivant vos attentes, vous pouvez enchaîner vos prompts pour avoir un résultat plus professionnel. Vous pouvez, par exemple, lui demander d'afficher les tours de parole, les interruptions ou encore les sons non-verbaux, etc. Voilà, vous savez maintenant comment transcrire une vidéo à l'aide de l'IA. À votre tour de tester Google AI Studio et de profiter de ses options extraordinaires. Pensez juste à suivre ces quelques étapes et à bien formuler votre prompt pour une transcription impeccable. J'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. Lâchez un like, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes technologiques. Allez, ciao, les amis!